Bonjour de Gaza. Donc voilà, aujourd'hui je vais parler des panneaux solaires. Donc c'est une solution pour la crise d'électricité à Gaza. Elle fait partie de la création, de l'innovation de la population civile gazaouite. Donc des panneaux solaires sur les toits des maisons, sur les toits des écoles, pour faire face à la crise et à la coupure d'électricité dans la bande de Gaza. Comme vous savez, à cause du blocus israélien inhumain, on a plus de 12 heures de coupure d'électricité par jour, voire 16 heures de coupure d'électricité. Et donc, dans le cadre de la créativité, de l'innovation palestinienne, même si ces panneaux solaires sont très chers, mais donc sur les toits des maisons, sur les toits des écoles, des immeubles, des universités, des bâtiments administratifs, il y a quelques panneaux solaires pour l'alimentation de l'électricité. Et donc, c'est une solution pour montrer que la vie continue à Gaza malgré tout. Merci beaucoup. La vie continue à Gaza malgré tout. Gaza la vie.